Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre un problème dans la grotte, la lumière. Et pour ça, je vais utiliser des dalles LED que un gentil barbu m'a filé il y a de ça presque un an. Il m'en a filé 6 et là, je vais essayer d'en installer 3. Alors, je les teste et ça marche nickel. On va essayer de faire quelque chose pour le suspendre au plafond. Donc là, je réfléchis un peu à la méthode que je vais utiliser. Et la méthode, elle est relativement simple. Je vais découper des bandes de CP pour faire en fait deux espèces de goulottes sur lesquelles vont venir se poser les dalles de LED. Donc ma première étape, c'est bien sûr le délignage et ensuite le marquage. J'utilise ma nouvelle lamelleuse. D'ailleurs, il y aura un épisode qui sera exclusivement là-dessus pour vous montrer toutes les choses intéressantes sur cette lamelleuse. Et je perce différents emplacements pour les lamellos pour pouvoir faire justement ces deux goulottes avec les morceaux de bois. Un petit peu de colle, des lamellos, quelques vis pour éviter d'avoir à attendre que la colle sèche et on va pouvoir s'attaquer à la fin de la structure principale qui est donc les écarteurs. Les écarteurs qui vont être là pour maintenir la structure et pouvoir poser les dalles de LED. Puisque les dalles de LED seront juste posées dessus. Il n'y aura pas de système d'attachement spécial et là je les répartis sur la première longueur qui fait 2,50 m. J'en profite aussi pour faire tout le système électrique qui n'est pas vraiment très compliqué hein, et bien sûr je teste tout ça pour être sûr que ça marche. Chaque dalle de LED a son propre transformateur et tout ça est bien sûr relié au courant. Pour pouvoir mettre ça sur le plafond, je vais créer deux éléments de soutien qui sont relativement simples. C'est un espèce de cadre avec des pattes un peu plus longues qui fait à peu près 1,60 m de haut. Et quand tout ça est prêt, je vais aller installer ça. Alors, j'ai ramené l'échafaudage et je perce des trous dans le plafond pour ensuite pouvoir fixer mes supports. Il y aura deux supports qui seront espacés à 2,40 m, puisque ma structure fait à peu près 2,50 m de long. Pas grand chose à dire à part que c'est plutôt sportif et que j'ai eu besoin de l'aide de mon gentil voisin Johan et son papa pour pouvoir fixer la structure finale. Je pose les dalles, je raccorde, on fait un test, et voilà, ça a pris un peu moins de 2 heures. Et ça me permet d'avoir de la vraie bonne lumière dans ma grotte. Parce que vu que je commence à faire de la menuiserie et de la menuiserie de précision, j'ai besoin de voir correctement. Et la différence est vraiment flagrante. 2 heures bien investies, un petit peu de sueur, mais je suis très très content du résultat. Voilà donc mes 3 dalles de LED qui sont installées et qui vont me donner de la bonne lumière pour pouvoir faire des assemblages d'encore meilleure qualité. Alors c'est vrai que au niveau de la vidéo, la lumière est un peu bizarre, j'ai pas encore trouvé complètement les réglages, mais ça va arriver. En tout cas, je suis très très content de ça. J'espère que ça vous aura donné envie de faire plus ou moins la même chose. Pensez à l'éclairage dans votre atelier, c'est très très important. À très bientôt et que la barbitude soit avec vous.